Bonjour. Nous pouvons retenir de la présentation qui a eu lieu que c'est un programme ambitieux, articulé donc avec la partie de cinq axes qui a des fondements stratégiques et des valeurs. En termes de valeurs, on peut citer la question donc, de la responsabilité, de la redevabilité, la question donc de l'esprit d'équipe et plusieurs autres valeurs qui doivent guider l'action du candidat. En plus donc de ces valeurs-là, il faut dire que nous avons des principes d'action parce qu'on ne gère pas le football pour le gérer, mais on le gère au profit d'acteurs. Donc il faut une certaine satisfaction des parties prenantes, il faut une manière de faire qui puisse emballer tout le monde, motiver tout le monde. Et il faut donc, comme je l'ai dit, un peu de responsabilité dans la conduite donc de cette mission. Et nous avons principalement cinq axes du programme. Le premier axe, c'est la gouvernance générale de la fédération. Comment l'améliorer? Et à ce niveau, il y a les aspects donc textes organisationnels, mais il y a également des questions concernant donc l'animation de la fédération, de telle sorte qu'elle puisse accomplir sa mission correctement. Le deuxième axe, c'est la question du renforcement des compétences des acteurs et la dynamisation des métiers du sport. Et à ce niveau, il y a plusieurs maillons de la chaîne qui doivent être revus. Il y a des articulations qui doivent être faites pour permettre à chaque acteur de jouer pleinement sa partition dans la mise en œuvre du programme. Il y a l'axe concernant donc les équipements et les infrastructures. À ce niveau, il faut dire qu'il s'agit de renforcer les infrastructures existantes, les mettre à niveau et créer de nouvelles infrastructures pour que la pratique du football soit beaucoup plus facile et que ça donne plus de résultats aux acteurs pratiquants sur le terrain. Et il y a la question, le quatrième axe, c'est la question du financement. Il s'agit de mobiliser les ressources et de financer le football. Et à ce niveau, il s'agit donc de tout faire pour avoir donc des projets qui accrochent les partenaires techniques et financiers, qui accrochent les amoureux du football. C'est là où on mobilise les ressources pour injecter dans le football et c'est un cercle. Et ça revient par la suite comme des retombées économiques qui permettent encore de financer le football. Et le cinquième axe, c'est la création de partenariats. De partenariat et de diplomatie sportive en faveur du football. Tout le monde sait aujourd'hui que le football est comme une activité économique au plan national, même à l'échelle internationale. Considérer que le football est un jeu de plaisir uniquement n'a plus de sens. Il y a des pays qui sont de grandes nations de football, qui relancent leur économie à partir du football. C'est pourquoi d'ailleurs vous voyez que la compétition pour organiser les CAN, pour organiser les Coupes du Monde, c'est souvent vraiment très rude pour que un pays puisse l'avoir, c'est un peu difficile. Mais les gens veulent ça. Pourquoi? Parce que ça permet de relancer l'économie. Donc le football est une activité économique. Et pour cela, la diplomatie sportive doit faire intégrer le football dans la diplomatie économique générale. Pour dire que le football est un maillon de l'économie. Et quand il y a des négociations à faire avec des partenaires techniques et financiers, je prends l'exemple du traité d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. C'est une occasion pour intégrer le football de telle sorte qu'il y ait des partenariats entre des clubs ivoiriens et des clubs burkinabés, de telle sorte qu'on puisse avoir des coopérations gagnantes-gagnantes entre les deux parties. Mais au-delà de la sous-région, il y a beaucoup d'espaces qui offrent des possibilités de partenariat. Et donc, il faut passer par les diplomates burkinabés qui sont dans ces pays-là pour pouvoir effectuer un travail de terrain qui puisse permettre non seulement de contribuer à la réalisation des quatre axes que nous avons cités, mais aussi faire du football un levier important de développement économique du Burkina Faso.